Et bonjour à tous les petits phénix, j'espère que vous allez bien ici, Yaya Phénix, et aujourd'hui, on est sur le septième épisode de Teshia. Avant de commencer cette vidéo, je tiens particulièrement à vous remercier. Vos petits pouces et vos petits commentaires me font énormément plaisir. Allez, c'est parti pour ce septième épisode. Lors de l'épisode précédent, on a rencontrer Merova, du coup une méchante, et on a découvert une nouvelle île, une île mystérieuse. En tout cas, cette île est très beau. Alors, hop, alors. Objectif, le chemin du retour. Retrouve Louise pour t'assurer qu'elle est en sécurité. Alors Louise est là, en haut de la carte. Tac. Allez, c'est parti. Alors, vu lors du dernier épisode, on était à l'autre bout de la carte. Du coup, je me suis avancé en off. Allez, allez là, Louise. Encore une très belle musique. Ah, 93%. Je suis contente que tu sois revenu. Gwen, ini à tout passe. Tu as ini la Gwen les yeux. Comment on dit je t'aime beaucoup là d'où tu viens? Enya ni mieux. Moi aussi. Oh. Elles sont amoureuses. C'est toujours un réel plaisir de vous présenter ce jeu. Toujours autant calme.
Les méchants sont arrivés à Wellywell. Allez, c'est parti. Hop, on peut faire un point de vue. Allez, c'est parti. Allez, un cerf, on va prendre. On va être un cerf. Comme ça va aller vite. Tac. Hop, on est déjà arrivé. Merci le cerf. En tout cas, Louise, elle est en sécurité. Bah, elle est là, Louise. Je crois que je peux t'aider. Suis-moi. Un nouveau perso, on l'avait jamais vu avant. Alors tu veux te débarrasser de Meavora, c'est ça? Il a aussi capturé mon père. Qu'est-ce que tu proposes? Si tu veux atteindre Meavora, tu dois frapper là où ça fait mal. Non, 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 non. Je parle de ces usines. Si tu parviens à désactiver toutes ces usines, il n'aura pas d'autre choix que de nous écouter. Les usines sont des forteresses hautement protégées. Mais si tu me ramènes des photos, je peux trouver leur point faible pour toi. Chapitre 7, les usines. Bon, tiens, ça nous permettra de rester en contact. Bonne chance. Allez, c'est parti.
Tac. Ah. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Alors, les usines. Pas en reconnaissance. Ok. Tac, tac, tac. Alors, les usines, ils sont où? Tac, tac. Stand de totem, bateau, kit photo, coffre, figure. Attends, hop, on va remettre. Alors. Est-ce que où on était tout à l'heure, il y avait parce que là c'est pas très bien c'est pas très bien expliqué où elles sont. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Alors où on va? Un petit chat. On va aller voir ces usines. Alors du coup, tac. On est sur la bonne direction. On est sur la bonne direction, sud-est.
Ça va prendre un peu de temps, je pense, pour y aller. Mais bon, ce paysage est toujours magnifique à voir. Alors, je sais pas combien il y a d'usines à vérifier. Je sais pas du tout. Je pense d'abord on va aller voir une usine et après on va s'arrêter là. Parce que là ça va prendre beaucoup de temps et... Hop, alors attendez. On est là, ouais. Non, c'est pas là non plus. Je crois qu'il n'y a même pas d'oiseau pour aller plus vite. Si, mais bon, je pense que la jauge va vite descendre si on prend un oiseau. Tu vas pas me dire qu'elle est à l'autre bout de la carte? Oh. Ah mais elle est là. Ah oui. Ouais, elle était carrément à l'autre bout de la carte. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui, ça va prendre du temps, les amis. Ça va prendre vraiment du temps. Ça va prendre vraiment du temps. On a navigué toute la nuit. Alors peut-être la prochaine fois, si c'est comme ça... Je sais pas si on peut se TP à l'autre bout, de la carte. Comment savoir le bout de Maerova? C'est ouais, c'est vraiment long. Ah, ça y est, on la voit enfin, l'usine. La fameuse usine.
là. On va inspecter l'usine. Allez, c'est parti. Voilà, il y a un petit feu de camp. Tac. On a débloqué un petit feu de camp, nickel. Alors, brûle l'état de tissu, brûle tous les soldats, brûle tous les sentinelles, ok. Est-ce que ça en ferait pas la prochaine fois, les amis ? Je pense que si, on va faire ça la prochaine fois. Tac, on va revenir. On va peut-être faire ça la prochaine fois. On va se reposer de son long voyage, pardon. Je pense que Teshia le mérite. Allez. Tac. Finalement, on va faire ça la prochaine fois. Hop, on va dormir. Être en forme pour s'attaquer à tout ça. Après un très long voyage à travers la carte. Tac. Ok. Confirmé. Hop, on va sauvegarder. Je pense que cet épisode sera très court. Le sixième chapitre. En tout cas, on a fait ce sixième chapitre lors de ce 7e épisode. En tout cas, je suis très fier, on avance petit à petit. Un petit résumé, voilà, elle tombe amoureuse de la petite Louise, après elle se fait enlever. Il y a l'inconnu qui le reçoive et un petit garçon qui apparaît. Un nouveau personnage. Et voilà, on doit détruire les petits soldats, visiter l'usine, quoi. On fera ça lors du prochain épisode sur Teshia, en tout cas, les amis. Un petit pouce, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous, bisous.